dans les temps qui précédèrent les Titans, bien avant les dieux de l'Olympe, une féroce bataille fit rage. La colère des primordiaux les tout premiers êtres à l'origine de la Terre fut déversée sur le monde pour une éternité. Et c'est cette fureur, cette violence sans borne, qui donna naissance aux Erinni. Ni titans, ni dieux, ni mortels, ni ombres. Les Erinni ne devaient rien à personne. Elles étaient les gardiennes de l'honneur, pourvoyeuses de châtiments et fléaux des traîtres. Quand Zeus accéda au pouvoir, il découvrit qu'il n'avait rien à craindre des sœurs. Les Erinni cherchaient à punir uniquement ceux qu'elles jugeaient coupables. Le premier de ces traîtres fut Égéon, l'Hécatonkyr. Lorsque la brute prêta serment à Zeus par le sang et trahit ensuite le roi des dieux, les Erinni ne tardèrent pas à réagir. Les sœurs traquèrent Égéon sans relâche et une fois capturé, elles le torturèrent à l'infini. Les Erinni estimaient que la mort était trop douce pour les parjures. Égéon, l'Hécatonkyr, devint un exemple pour tous. Une sorte de modèle qui dissuade quiconque de rompre un pacte de sang avec un dieu. Et ben voilà, une intro qui était, ma foi, plutôt pas mal. En tout cas, on peut saluer la team YouTube à partir de maintenant. Bonjour à vous, on espère que vous allez tous très bien, bien sûr. On se retrouve donc, et ben, comme vous pouvez le voir, pour un nouveau Let's Play. Et bah, c'est de la nouveauté en plus aujourd'hui, parce que c'est une licence auquel je m'étais jamais attaqué en plus sur ma chaîne, donc ça c'est cool. Hormis un petit live que j'avais fait il y a quelques années pour découvrir le troisième opus, mais bon, ça c'était une exception. En tout cas, j'avais jamais fait de let's play sur un jeu de la saga God of War. Et donc, bah, c'est le cas, parce qu'on va s'attaquer au premier opus chronologique, hein, précisons-le, qui s'intitule donc Ascension. Là, on est sur PS3, bien sûr. Et qui, bien qu'il soit le plus récent, on va dire, des anciens God of War, c'est le tout premier chronologiquement. Donc, c'est pour ça qu'on s'attaque à lui en premier, ça me paraît logique. Bien sûr, nous sommes comme d'habitude en live sur Twitch. Hein. Bien sûr, vous avez toujours le lien de la chaîne en description, donc n'hésitez pas à y aller, à follow la chaîne hein, si vous n'avez pas encore follow. Comme ça, vous ne pourrez pas louper les prochains lives. Et puis voilà. Donc, en l'occurrence, ce premier opus, je précise que ce n'est pas une découverte, je l'ai déjà fait. Cela dit, c'est un opus que j'ai quand même bien apprécié dans l'ensemble, hein, parce qu'en plus, moi, j'ai vraiment pour projet de découvrir le reste de la saga God of War. De mon côté, on va dire dans un premier temps, et peut-être qu'on fera les autres ensuite plus tard, bien sûr, en let's play. Mais en tout cas, pour l'instant, Ascension est le seul que j'ai fait, et j'en suis ressorti en me disant que c'était quand même plutôt pas mal dans l'ensemble. Donc, je suis plutôt content de pouvoir le refaire aujourd'hui. Donc, on va voir ce que ça va donner. Alors, même si je l'ai fait déjà une fois, je me souviens pas forcément de tout, bien sûr. Même si le début du jeu, globalement, ça va. Donc, après, par la suite, on verra bien. Je précise aussi qu'on fera pas non plus un 100%, donc si je loupe des objets cachés, faut pas gueuler, c'est voilà, c'est normal. Après, bien sûr, si vous voulez des fois m'indiquer des trucs dans le chat, notamment je pense à Lit, hein, qui connaît quand même bien la saga, je vous l'autorise, hein, même des fois si je suis bloqué quelque part, là j'autorise tous les backseats, là il n'y a aucun souci. Donc voilà, et ben on va commencer tout de suite en créant notre nouveau profil, ce qui va prendre quelques petites secondes, parce que voilà, sur PS3, voilà, c'est pas la PS5, hein, on n'est pas sur le SSD. Hop, on boit un coup. Donc évidemment, c'est un jeu Peggy 18, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas la saga, hein, et il le vaut bien son Peggy 18, hein, donc gare à ceux qui sont un peu sensibles aux trucs un petit peu gore et tout. Mais hormis cela, c'est vrai que ça reste un jeu qui est quand même très très bon, pour une saga qui est très très bonne. Je voyais Astuti le dire d'ailleurs tout à l'heure, mais c'est vrai qu'effectivement c'est des jeux quand même à la mise en scène de zinzin God of War,
Et c'est une leçon de mise en scène. Déjà, rien que ce jeu-là, je trouvais qu'il y avait des choses vraiment sympathiques. Donc on va commencer une nouvelle partie classique. On va bien sûr commencer sans truc en plus. Et je vous le dis tout de suite, on va faire le jeu en facile. Parce que je veux vraiment profiter, je veux vraiment chiller sur le jeu. J'ai dû le faire en mode difficile pour le platiner. Et vraiment, j'en ai chié. Vraiment, le jeu en mode difficile, il est difficile. Donc en titan, j'imagine même pas le merdier que c'est. Donc on va vraiment chiller, je veux vraiment profiter du jeu, que vous puissiez profiter sans que je galère. Donc on va lancer en facile. Et puis bah c'est parti, je vous laisse profiter encore une fois de la scène cinématique qui suit, et puis on se retrouve juste après. Kratos, le grand général spartiate, fut finalement vaincu. Devenu fou, torturé et doutant de son environnement, le guerrier se trouva pris comme un insecte dans la toile des Erini. Jamais, jamais tu entends. Bonjour, Kratos. N'hésitez pas bien sûr à me le reconfirmer si le son du jeu ça va. Qu'y a-t-il ? Tu sembles perdu, Kratos. Ne te rappelles-tu pas ce moment spécial passé ensemble ? Mais une fois de plus, nous avons été brutalement interrompus par ma sœur. Alecto n'a jamais appris les bonnes manières. C'est pas gentil, ça ! Ne t'en fais pas. Je suis plutôt doué pour enseigner. Respect ! Hop, c'est mieux si je veux des mutes. On va essayer de se défendre un peu donc face à elle. Donc l'une des Erini, bien sûr, vous l'aurez reconnu. Tandis que notre pauvre Kratos est attaché. Voilà, ça c'est bien ça. Tu parles à Kratos, ma vieille. Allez, on va pouvoir attaquer cette fois. Allez, raté. Voilà. Comme ça, on la défonce bien. On est libéré en plus. Et c'est parti. Premier niveau, prison des damnés. Donc là, en gros, on va s'amuser à poursuivre cette Erini. Et oui, même attaché, c'est pas comme ça que tu te débarrasses de Kratos. Hein. C'est clair. Allez, donc évidemment, on va en profiter pour casser un petit peu tout ce qu'on trouve. Histoire de récupérer des orbes. Ça nous sera utile pour améliorer nos armes. Donc là, bien sûr, ça va être la grosse intro du jeu qu'on va faire dans cette première VOD. Donc l'occasion, bien sûr, d'apprendre toutes les techniques de combat de base. Hop, tiens, voilà. Ce qui est bien avec ces insectes-là, c'est qu'on peut les choper et les lancer. Ça fait comme des bombes après. C'est trop stylé. Hop, on a juste quelques petits trucs ici. Encore des insectes. Bon, allez, soyons fous. Voilà, ça dégage. Ensuite... on va descendre. Voilà, hop. Oh, si, t'inquiète pas, on va t'attraper. On finira par te rattraper, ma vieille. On n'échappe pas à Kratos comme ça.
Bon, on va juste aller à droite. Voilà, on a notre premier coffre d'orbe. Donc ça, c'est pratique pour en récupérer pas mal d'un coup. Hein. On a un petit document aussi. Témoignage, du scribe de l'Hécatonkir. Chaque nuit, ils viennent dans ma cellule. Ce qu'ils font est abominable. Les parasites de Mégère. Je ne peux m'en débarrasser. Donc ça, pareil, hein, les documents qui traînent. C'est pas impossible que j'en loupe. Hein. Surtout qu'ils sont des fois un peu compliqués à voir. Hop, la chute. Et là, attention, on va avoir droit à nos vrais premiers ennemis. Parce que bon, les insectes, c'est marrant 2 secondes, mais c'est pas terrible non plus. Et bah, il s'est transformé, le monsieur. Donc là, évidemment, si notre cher Kratos était attaché, c'est parce que, et bien sûr, bah, tout comme ça avait été expliqué dans la cinématique d'intro, Kratos aussi a rompu un pacte, évidemment, bien sûr, avec un dieu, hein, en l'occurrence Arès, le dieu de la guerre. Donc forcément, les Erinis veulent sa mort, littéralement. Et ça va être un peu la base du truc, hein, les Erinis, hein, elles vont un peu nous embêter tout le temps, en fait. Hop, comment ça, je me bats comme une merde. Calme-toi, ma vieille. Bon, là, bien sûr, en facile, c'est facile. Hein, voilà, on va pas se mentir. Je vous jure, hein, vraiment, en mode difficile, chaque combat, c'est une torture. Vraiment, le mode difficile, pour le coup, il porte bien son nom, quoi. Hop. Allez, hop, toi, tu dégages. Donc on a aussi une petite jauge de rage qui se remplit au fur et à mesure, mais pour l'instant on va pas pouvoir faire grand chose avec. Ça, ce sera pour un peu plus tard. Allez, hop, ça dégage. Voilà, hop, on les déchire en deux, comme ça on est bien. Hop, décapitation. Et je crois que c'était le... Eh non, c'était pas le dernier, il en reste encore plein. Et bah allez, venez tous. Bon, en tout cas, si le son du jeu est bon, tant mieux. Hop, alors c'est vrai qu'au bout d'un moment, ils finissent par se défendre aussi, donc faut faire gaffe. Mais oui. Allez hop, décapitation. On est bien. Et bah, je crois qu'on n'a rien d'autre ici, donc on va pouvoir directement continuer notre route et rattraper l'Erini. Voilà. On a un petit coffre de santé, donc on va en profiter. Même si j'ai pas tant perdu que ça non plus. D'ailleurs, je voulais pas montrer. Bah, on va regarder ça juste après qu'on ait vu le document. Témoignage du scribe de l'Hécatonkir. Les serments faits aux dieux sont trop faciles à prononcer et bien difficiles à rompre. Les Erinis ont une vision du bien et du mal qui leur est propre. Mortek qui ne fait pas semblant pour tuer, ça c'est clair et net. Donc c'est ici qu'on peut bien sûr améliorer nos armes. Donc là pour l'instant je ne peux pas encore améliorer mes lames du chaos, parce qu'il nous faut 3000 orbes, j'en ai qu'un petit peu plus de 1000. Mais voilà, c'est à partir de là qu'on pourra améliorer ensuite tout le reste qu'on débloquera par la suite. Parce qu'il n'y a pas que des armes, il y aura des magies, hein, des sortes de magies qu'on pourra utiliser aussi. Donc ça, ce sera pour un peu plus tard. Ensuite, un petit coffre d'orbe rouge. Youlou ! Voilà, comme ça, on revient à l'extérieur. Hop, vous pouvez désactiver les astuces. Bon, ça ira. C'est pas non plus l'assist au troll de Ratchet & Clank. C'est pas non plus si embêtant que ça. Ah bah tiens, la revoilà. On a une petite épée parce qu'on peut s'amuser aussi avec des armes secondaires. Il y en a plusieurs, il y en a différents types dans ce jeu. Et là, on est reparti pour se battre encore. Comme on le fait quasiment tout le temps, de toute façon, dans ce jeu. Après tout, c'est un beat'em up, si on peut dire. Donc forcément, du fight, il y en a pas mal. Et Maxime qui est là, bah comment va-t-il? Ça fait très plaisir, j'espère que tu vas bien. Et hop, ça dégage.
Toi pareil, tu vas avoir ta dose. Encore faut-il que je frappe du bon côté, sinon ça va pas trop marcher. Ok. Bah écoute, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. On est en train de défoncer des ennemis de manière bien gore. Bah voilà, pour notre plus grand plaisir. Est-ce que je peux faire déjà des coups circulaires Non, je crois pas. C'est plus tard, je pense. Quand on aura amélioré déjà une fois les lames du chaos. Hop là, allez. Manger de mon épée, là. Voilà. Il en reste encore deux. Et bah il en reste plus. Parfait, let's go. Comment tu t'en sors face à l'hécatonkir? Ah, l'hécatonkir! Eh oui, il y a des insectes qui lui sortent de la poitrine, hein, tout va bien. Tout va bien dans ce jeu. Et l'hécatonkir, autant vous dire qu'il va bien nous emmerder sur les 4 premiers niveaux du jeu. Hein. Pour ça la taille. Allez, voilà, il y a tout qui est cassé, on a pété la prison déjà. C'est du rembourrage. On peut dire ça, voilà. Alors, hop là. Bon, j'ai esquivé, mais visiblement, je me suis quand même pris le coup. Encore une fois, je le précise, je joue en facile, hein, donc je m'embête pas trop avec le fight. Hein, donc forcément, si je me prends des coups, ça va, ça reste raisonnable. Je ne perds pas trop de vie. Allez, on tape, on tape, on tape, on tape. Il va bien finir par s'affaiblir, cet enfoiré là. Hop. Ah, c'est le seul God of War que t'es pas fait, Maxime. Intéressant. Wow. Ok, alors là, faut que j'arrête de faire n'importe quoi. Certes, on joue pas en difficile, mais si on fait pas attention. On peut mourir bêtement, et ça, si je peux l'éviter, je préfère, quoi. Allez, des petits QTE qui font plaisir. Ça, c'est la base aussi, hein, dans les God of War. T'enchaînes les QTE, mais par contre, ça donne à des séquences ultra badass. Bon, en tout cas, c'est cool. C'est cool dans ce cas, mon cher Maxime. Voilà, on l'a déjà un peu calmé. Et bien sûr, ce n'est pas fini. Alors là, on va devoir faire gaffe parce qu'il va faire des petites attaques latérales. Donc là, heureusement, on a des trous. Il est pas allé dans le trou, je crois. Bon, ça va, je l'ai évité de justesse, mais le principe, c'est justement de se réfugier à chaque fois. Quoi. Voilà, comme ça. Que serait God of War sans QTE, c'est vrai. Hein. Rien que dans celui-là, des QTE, t'as la dose. Hein. Et ce n'est pas une exception. Allez, tu vas te calmer, là. Ah, t'es pas encore affaibli, bah dis donc. Il est résistant, l'enfoiré. Allez, hop. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah putain, c'est encore une attaque au centre. Ah, voilà. Bon, le jeu est gentil, il nous redonne de la santé, même quand on l'affaiblit, quoi. C'est... Le jeu est vraiment sympa, quand même. Allez, hop, ça dégage. Ah voilà, on va lui trancher la gorge avec sa propre sa propre patte. Voilà, ça c'est bien ça. Ça fait du bien ça. Ça on apprécie. Tu ne peux pas nous vaincre. Mais si. Bon, spoiler, on n'en a pas fini. Hein. Stimu. La petite phase de glissade qui fait plaisir. YOLO! Oula, on était à deux doigts de se faire écraser là quand même. Hein. Hop, let's go. Alors là, attention. On passe entre les deux, ça passe. On fait pareil ici. Oh là là, quel talon. Et on débarque dans les égouts. Et oui, le fameux niveau des égouts, hein, un classique des jeux vidéo. Enfin, cela dit, on va pas y rester très longtemps. Donc ça va. En tout cas, on profite d'une petite accalmie.
Alors, témoignage du scribe de l'Hécatonkir, le fils de la reine Erini est venu au monde ce soir. Est-il le guerrier marqué par la prophétie? Comment un être aussi jeune peut être autant méprisé par son père? Ah là 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 là. D'ailleurs, ce fameux jeune, on le rencontrera. On verra de qui il s'agit un peu plus tard. Et oui, hein, la base, les égouts. Donc, évidemment, hein, Kratos de l'escalade, c'est un grand classique. Il n'y a pas que Lara et Nathan Drake qui sont les maîtres de l'escalade. Kratos, il est plutôt pas mal doué à ça aussi. Les sœurs sont trop tendres envers toi. Ah ouais. Bon voilà, à partir de là, on quitte déjà les égouts, donc c'était pas très très très, c'était pas très long, hein, on va pas se mentir. Donc là, par contre, on va tâcher d'éviter de tomber, hein, parce qu'on est quand même un tout petit peu haut, mais genre très légèrement. Donc une shield, ouais, une chute dans le vide, ça ferait pas du bien. Ah, bah désolé pauvre monsieur, hein, tu es... Là pour le coup, tu es tombé. Alors, avant de s'occuper de ça, on va juste aller à droite. Donc on a déjà des ennemis, regardez, qui nous attendent. Hein, qui ont hâte de nous attaquer. Par contre, ici, on a des petits orbes à récupérer, donc... on va bien sûr récupérer tout ça. Et je crois que c'est tout ce qu'il y avait là. Donc maintenant, on a un petit levier. Actionnons-le. Voilà, ça libère la chaîne. Et ça libère les ennemis aussi. Hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Alors. Ah oui, on va pouvoir lancer les ennemis comme ça aussi. Regardez. Youlou ! Et les suivre dans les airs. Ça, c'est trop stylé, ça. Voilà, let's go. Oh là là, masterclass de Maxime. Pendant que je suis en train de réduire tous ces ennemis à néant, on est en train de sub. Merci à toi, merci pour les 7 mois, ça fait plaisir. Masterclass. Allez, je crois qu'il en reste... Ah non, je veux dire, il restait plus que celui-là, mais il y en a d'autres derrière. Enfin, un autre, c'est pas non plus. Allez hop, au sol, et je t'arrache la tête, comme ça on est bien. Et bah dis donc, deuxième sub du live, ça fait plaisir. Et ah oui, alors ici c'est vrai qu'on récupérait un objet. Alors ça, c'est vrai que c'est un peu bizarre, je vais vous montrer ça d'ailleurs. Parce qu'on a des objets cachés en fait dans ce jeu. Qui en fait débloquent pas un bonus qui est actif sur la partie qu'on fait, mais en fait si on refait le jeu, ça va permettre de débloquer des bonus un peu pétés. Et donc là, à la base, ici on récupère la pierre du serment de prisonnier, qui est le premier objet. Donc après, il y en a plein d'autres cachés dans le jeu qu'on doit récupérer. Donc là, en l'occurrence, celui-là, quand on refait une partie plus tard, on a de la rage infinie. Donc ça permet de faire des attaques plus puissantes de manière illimitée, sans avoir à remplir la jauge au préalable. Donc à la base, c'est ici qu'on récupère la pierre. Bah là, ouais, on va l'ouvrir pour la forme, mais j'ai quasiment pas perdu de vie en soi, donc ça va. On va ouvrir la grille maintenant. Et bah vous vous en doutez, hein, on va bientôt avoir du fight encore hein, dans pas longtemps. Hein. Sinon c'est pas drôle. Allez, on y va. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que bon bah en même temps c'est un jeu de 2013, donc on est sur la fin de cycle de la PS3. Mais le jeu est quand même putain de beau. Pour de la PS3, c'est quand même très propre. On voit les prisonniers, les ennemis, hein, qu'on va pas tarder à affronter d'ailleurs. Et l'Hécatonkir est de retour, il arrache littéralement la prison. Il veut notre peau. Et bah c'est parti, hein, on va de nouveau se battre. Enfin, faudrait-il que les ennemis arrivent. Ah, voilà quand même. Waouh, 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 on se calme. Ok. Ah bah. J'allais l'achever celui-là, mais il est tombé tout seul dans le vide. C'est quand même pas très intelligent de sa part. Fin de vie de la PS3, bah alors ouais, quand je dis fin de vie, c'est qu'il est sorti dans la dernière année, on va dire majeure, avant que la PS4 arrive quoi. Donc en 2013 en l'occurrence. Donc pour un jeu qui a 10 ans, c'est quand même pas mal.
Et c'est accessoirement, bien sûr, le dernier God of War à être sorti, hein, le dernier ancien God of War, avant le jeu de 2018. Et pourtant, chronologiquement, c'est le premier. C'est ça qui est marrant. Allez, les insectes, ça dégage. Voilà, on t'arrache, t'explose. Ah d'accord, il est mort, mais plus tard. Il est mort avec du ping, le pauvre. Hop, la prison se retourne encore. Le dernier de l'ancienne formule, exactement. Avant que ça soit totalement différent. Là, on a encore notre Kratos, notre ancien Kratos. Enfin, de toute façon, que ce soit l'ancien Kratos, entre guillemets, ou, ou celui à partir de 2018, les deux sont très très badass, hein, on va pas se mentir, hein, de toute façon. Hop, voilà. Soit je te fends en deux, voilà. Et je vais faire pareil avec ton pote. Voilà, on est bien. Les bruits qui se rajoutent là. On est bien là. Quand on arrache la tête de nos ennemis. Ah là là. Ah, je crois qu'on va devoir se barrer ici. Ouais. Let's go. Ah bah, en vrai, oui, c'est totalement ça. Le corps de garde, on enchaîne. Donc là, encore une fois, on va profiter d'une petite accalmie qui va être courte, mais... on va quand même en profiter, on va se soigner. Grâce à la magie des orbes vertes. Et on va actionner un petit levier. Qui va nous être utile bien sûr un peu plus tard pour qu'on puisse passer. Et donc là on va pouvoir maintenant activer ce mécanisme. Alors là, c'est quoi qu'on a ici? C'est une épée. Je crois que je l'avais plus l'ancienne, donc ouais. On va la prendre. On va tirer donc ceci. Et là, attention, devinez quoi pendant qu'on fait ça. Oh bah tiens, regardez, on a un cyclope qui débarque. Et bah c'est parti, aïe. Eh non, tu m'as pas eu. Voilà, mange ça toi. Hop là. Oula, oula, oula. Ok. Raté. Ah. Ça va, j'ai pas pris les dégâts. On est bien. Eh oui. C'est pas comme ça qu'on m'attaque. C'est pas comme ça que tu vas m'atteindre, mon pote. Hop. Oh, déjà. T'es déjà affaibli. Alors là, ce qui est rigolo, c'est qu'on va pouvoir s'en servir de monture. Donc là, tous les ennemis qui apparaissent, regardez, on va les dégommer les uns après les autres grâce à notre cyclope. Hop, ah bah oui, hein, là, vous faites pas le poids. Hein. Désolé, les gars. Voilà, bim. Je crois qu'on est en train de les fumer, là. C'est terrible. Allez, hop. Je vais mourir. Et bah, meurs, voilà. Ah, il en reste un. Et évidemment, une fois que c'est fait, on va pouvoir s'occuper du cyclope. Voilà, on te tranche bien là. Avec les intestins qui sortent là. C'est terrible. Alors, je crois que j'ai déjà 7 d'orbes, je crois, pour améliorer mes lames. Hop, d'ailleurs, ça fait penser que j'avais oublié de remettre la cam depuis un moment. C'est pas grave. Du coup, bah, on va en profiter. Comme ça, on va pouvoir débloquer de nouveaux coups et puis surtout augmenter les dégâts, ça c'est bien. Donc ça c'est bien, et donc le prochain ce sera 5000. Ok, je remets la cam cette fois. Un peu gluant mais appétissant, exactement. Ah ouais, ça c'est grisant, c'est le bon terme, je pense. Effectivement. Ah mon dieu, c'est terrible. Mais évidemment, les catonquières n'en a pas fini avec nous, hein. Là, ça va être, de toute façon, ça va être le programme de toute la grosse intro du jeu. Hein, donc, on n'en a pas fini. Hein. Que ce soit lui ou l'Erini qui l'a réveillé, bien sûr. Sachant que les Erini, il y en a plusieurs. Hein. Là, on en a une, mais il n'y a pas qu'elle, bien sûr. Hop, des petits orbes rouges pour la forme. Hop, et on va pénétrer à l'intérieur de la prison.
Ouais, bah c'est pas gagné, hein. Donc là, semble-t-il, il a réussi visiblement à disparaître avant de se faire tuer. Et d'ailleurs, je crois que si je dis pas de conneries, ce perso-là, en fait, on le revoit quand on fait le mode multi du jeu, en fait. Et en gros, c'est le personnage qu'on incarne pour le mode multi, tout simplement. Alors là, par contre, on prend un peu cher. Mais on va vite revenir dans le fight. Voilà, on te fait une petite blessure à la main. Rien de tel. Et on est reparti pour l'affronter, cet enfoiré. Alors. Hop là. Alors là, faut faire gaffe parce que voilà, il fait des attaques. Des attaques latérales, encore une fois, ce con. Ah, je le disais aussi, j'arrive pas à lui faire de dégâts ou quoi. Ah oui, d'accord. Je l'ai à peine touché, il est déjà fatigué, le pauvre. Allez. On va lui faire tomber tout ça sur la gueule. Voilà. Et même avec ça, il est encore là, le con. Il est encore présent. Et ben, on va le refaire encore plusieurs fois de suite, hein. Une fois, ça te suffit pas. Nous, on est comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Ah super, il nous envoie des insectes. Les insectes explosifs, évidemment. Ouais, c'est vrai que c'est pas faux. Une petite remasterisation, ça aurait pu le mériter. Bah en vrai, les opus, parce que autant... bah en fait, le seul opus PS3 qui a eu droit à une remasterisation, c'est God of War 3 en fait. Mais j'avoue qu'en vrai, les premiers God of War... En tout cas, le reste des premiers God of War, ça aurait pu mériter aussi, j'avoue, une remasterisation, quoi. C'est vrai qu'il y a moyen de faire quelque chose. C'est bon, certes, le 1 et le 2 et les opus PSP, ils ont été refaits sur PS3, mais... Mais il y a peut-être moyen de faire quelque chose, en vrai. Ah, ça y est, on va pouvoir faire tomber le reste du décor sur lui, encore une fois. Sur PSP, tu avais un ? Donc ça devait être soit Ghost of Sparta et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Chains of Olympus, comme ça. Ça doit être l'un des deux que t'avais, du coup. Bah d'ailleurs, après Ascension, le prochain que je compte faire, c'est Chains of Olympus, d'ailleurs. Parce que, encore une fois, chronologiquement, c'est censé être la suite de Ascension. Donc voilà. Chains of Olympus, ok. Bah du coup, ça tombe bien, c'est le prochain qu'il faudra que je fasse de mon côté. Ah, ça sent bon là. Oh oui, regardez-moi ça. On est reparti pour une petite mise en scène bien stylée. Voilà. Allez hop, on lui embroche la main, let's go. Et si la main ça te suffit pas, eh ben on va t'embrocher le corps littéralement, voilà, hop. Regardez ça. Wouah. Et encore ça, c'était même pas l'Hécatonkyr, le vrai Hécatonkyr, ça c'était juste un monstre qui était sorti de l'Hécatonkyr, invoqué par l'Irini. Mais ce n'est pas encore fini cette histoire. Et on est mort, voilà, ça y est. Fin du jeu. Ça c'est fait. Let's go. Allez. Bon. Pour l'instant on s'en sort pas trop mal. On est toujours vivant, c'est cool. Et en plus, on a des petits orbes en plus à récupérer. Et on a même aussi, voilà, une fresque à regarder. Bah, on va voir ça de plus près. Aegéon l'Hécatonkyr, premier à avoir rompu un pacte de sang. Donc c'était le même qu'on avait vu durant la cinématique d'intro. Les Erinyes l'ont torturé, tordant sa chair et ses os entre les sombres murailles de cette prison, comme malheureusement l'a subi le pauvre Kratos également. Ah, il est au-dessus de Chuck Norris, hein, ça c'est clair. C'est clair! Allez, le petit levier, comme ça on va pouvoir passer à la suite. Parce que on n'en a pas fini. Croyez-le ou non. Ton air
Allez. Maintenant, on a des espèces de monstres. On dirait des espèces de chiens. Enfin, c'est un peu grossier dit comme ça, mais on va les appeler des chiens quand même. Heureusement, ça va. Ils sont pas très très compliqués à vaincre. Et donc ça, on va pouvoir s'en servir d'ascenseur, cette plateforme. Ça va nous être utile. Alors par contre... Ouais, c'est bien ce que je me disais, on a un truc ici. Encore des orbes. Un opus sur mobile qui s'appelle Betrayal, je crois. Jamais fait non plus celui-là, et je sais même pas s'il fait partie du lore. Bah écoute, j'en ai très peu entendu parler de celui-là. Je sais pas s'il est canon, on va dire, avec le reste de la série. Là, pour le coup, je ne pourrais pas te dire. Allez, on monte tranquillou, mais... Eh ben non, on est bloqué, évidemment, sinon c'est pas marrant. Et on est reparti, let's go. Hop. Ah oui, en fait, les chiens, le truc, c'est que dès qu'on les chope, Kratos, il les achève directement. Ah bah d'accord, on a fait... on a mis une... Un second poteau pavard là sur le chien, il a envoyé les deux autres se faire balader, c'était incroyable. Ça c'était beau. Allez hop, voilà, on t'écrase au sol, toi aussi tu en veux. Bim. Et hop, toi, voilà, on t'éclate la gueule. C'est beau, c'est frais, c'est appétissant quoi. On adore. Et je crois qu'ici on n'a rien d'autre, donc on va du coup soulever les bâtons qui bloquent la plateforme. Et on va vite le faire de l'autre côté. Hop, vite, voilà. Le plaisir de démembrer exactement. Oh mon dieu. Et on va réactiver l'ascenseur, voilà. Comme ça, on est bien. Mais est-ce fini pour autant? Eh ben non! Le retour de l'Erini qui détruit le système. Et donc là, bon, là c'est totalement... voilà, le spoiler est fait, mais là on va devoir escalader nous-mêmes. Mais évidemment, attention, regardez, la plateforme cède et là on se fait littéralement poursuivre par le système, par le rouleau de l'ascenseur. Donc on intéresse grouiller. On va essayer de le faire du premier coup. Sachant que voilà, pour faire des grands sauts, Kratos y met toujours un petit temps. Allez, vite. Allez, vite, vite, vite. Oh, c'est chaud. C'est très chaud. C'est très chaud. C'est chaud, mais ça passe. On va récupérer un petit peu de vie pour le plaisir. Et puis, bah, let's go. Ouais, limite, hein. Limite, limite. Hein. Mais on survit. Et ça, c'est ce qui compte. Et je me demande si c'est pas là qu'on passe au quatrième niveau, d'ailleurs. Le dernier de cette grosse intro de God of War Ascension, l'Hécatonkir, voilà. Donc là, ça va être l'affrontement final face à l'Hécatonkir qui nous attend. Et ça, c'est bien. Oh, d'ailleurs, je me souviens de la cinématique qui va suivre. Là, pour le coup, vous allez comprendre aussi pourquoi ce jeu, comme toute la saga Epic 18. Témoignage du script de l'Hécatonkir. Les supplices de l'Erini Mégère ne sont que corporels. Ceux de l'Erini Tisiphone s'avèrent bien plus cruels. Alors, pour le coup, je sais plus qui est Mégère, qui est Tisiphone. Hein. En tout cas, celle qui nous casse les burnes depuis tout à l'heure. Eh bien, écoutez, on va rentrer et... profiter. Vous comprendrez pourquoi. Récompensé. Gloire à Eros. Il nous apporte un véritable champion. Allons, champion, montre-moi toute ta puissance. La non, puissance. À moi. La Kratos, il est comme ça. Ah, oh, je suis bien. Oh là là, qu'est-ce que je suis bien. Ah, c'est pas mal, hein.
sens pas de bizarre plaisir. Quand même. Hein. Viens me voir si tu veux découvrir ce qu'est le véritable plaisir. Ça respire fort ici, tu m'étonnes. Mais là, attention, regardez le petit détail qui tue. Tout ceci n'est qu'illusion. Et ça, bien sûr, c'est les Erini qui ont causé cela pour essayer de le piéger, Kratos. Ah, dommage, on était bien, là. Allez, du fight encore. Le petit chargement, let's go. Des fois, la PS3, elle a un peu de mal, quand même. Allez, c'est reparti. Aïe, je me suis pris un javelot dans le dos, c'est pas très agréable. Allez, qu'est-ce que vous voulez, là? Let's go, bim. Un petit démembrement en plus, let's go. Eh non, t'auras pas le temps de lancer ton javelot, mon poteau, let's go. Voilà, nickel, on est bien. Une petite bombe, voilà, tac. Hop. Bim, parfait. Voilà, ça c'est bien ça. Des petits combos bien stylés comme ça qui font plaisir. Bon, c'est tout ce que vous avez? Bah non, évidemment. Plus jamais tu ne me feras souffrir. Ah ouais, dès le début, Chain of Olympus aussi. Bah j'ai hâte alors. Ah, ils vont s'introduire dans le lieu, dans lieu, oui, dans les nœuds. Dans l'œil de l'hécatompire. Oh, t'es pas beau, toi. Oh, qu'est-ce que t'es moche. Alors là, on va devoir faire attention parce qu'on on va avoir des ennemis, bien sûr, pour nous emmerder, mais il faut que, ouais, voilà, qu'on attaque ces trucs-là, là. Les espèces de petits piliers, là. Il n'y a que ça qui vont vraiment l'affaiblir. Wesh, ah bah d'accord, si ça se barre au moment où j'attaque aussi... Ah bah ils sont là-bas maintenant, super. J'ai mal au lieu. Moi parler bien le France. Hop, ah, vite, vite, vite. Voilà, là c'est ça qu'on va pouvoir... c'est ça qu'il faut faire. Comme ça on va essayer de l'affaiblir le plus vite possible. Allez, allez. Bon, heureusement ça va, même si je me fais emmerder par les autres... Le mode facile fait que bon, je prends pas si cher que ça non plus. Ah oui, non, c'est vrai que pour le coup, au niveau des boss, c'est toujours assez incroyable, je trouve. Rien que dans cet opus-là, je trouve qu'il y a des choses assez chouettes, hein, quand même. Même si forcément, au départ, j'ai pas forcément pris énormément de plaisir, parce que je me suis forcé à y jouer en mode difficile pour le platine. Même si là, je pense que voilà, en mode facile, je vais beaucoup plus profiter des choses, bien sûr. Allez, arrêtez de m'emmerder, moi j'ai envie de le blesser l'autre là. J'ai dit laissez-moi tranquille. Ah ça y est. Bah alors mon pote, on souffre. Eh oui, de justesse hein. Et donc là, qu'est-ce qui arrive encore? Ah bah tiens, encore une créature similaire à tout à l'heure. Encore une, tiens. Alors là, par contre, ouais. Faut qu'on aille vers la gauche. Parce que sinon, on va avoir un peu mal. Ah bah, n'empêche, pour nous sortir un jeu comme ça, la PS3, ouais, elle doit... Elle souffre bien de martyr. C'est pour ça que souvent les longues sessions que je faisais sur le jeu, je peux te dire qu'au bout d'un moment la PS3 tu l'entendais bien ventiler sa mère. Vraiment. Surtout que moi c'est un modèle, c'est pas l'ultra slim que j'ai, c'est le modèle slim. Là ça fait, voilà, t'as l'impression d'avoir un Airbus à côté de toi. Ah oui, alors là on va pouvoir directement attaquer les catonkirs. Bon là ça se fait plus ou moins automatiquement. Là déjà, je l'entends ventiler un petit peu plus que tout à l'heure. Elle est pas au max,
Mais je pense que d'ici la deuxième VOD, on l'entendra un peu plus soufflé. Enfin, ça s'entendra pas sur le live, hein, mais moi, je l'entendrai. Vous êtes mort. Ah merde, j'ai pas re-attaqué directement. Oh, j'étais pas prêt à ça, par contre. D'accord. C'est pas grave, on va oublier ça, on va le rechevaucher. Et cette fois, on va faire les choses proprement, hein, d'accord. On va dire que ce que vous avez vu, ça ne comptait pas, hein, d'accord. Allez, cette fois, aucune pitié. On arrête de discuter. Bah alors, mon pote. On n'a rien vu, voilà. Voilà, l'hiver, la PS3, c'est pratique en vrai. Hein. Fait tourner les consoles, ça fait du chauffage directement. Pas besoin d'installer un chauffage. Hein. Les consoles font l'affaire. Même la PS4, hein, elle turbine bien, hein, quand tu joues un gros jeu dessus. Hein. Et coucou Amandine. J'espère que malgré la maladie, ça va. Ça va quand même. Ah, les Rénies, ça y est, on va pouvoir se la faire. Eh, mine de rien, ça va faire une assez grosse VOD. Hein. Je pensais que ça prendrait moins de temps, mais bon, après, c'est pas plus mal aussi. Hein. Alors, ah oui. La petite latence. Hop, hop, hop. Ah oui, alors ici, j'ai eu le même bug la première fois que j'y ai joué, c'est que... Il y a un décalage de son. Ça, c'est le jeu qui le cause. Hein. Pour le coup, c'est pas moi. Bon, bah, ça y est, on l'a tué. Il n'aura pas fallu grand-chose pour l'achever, celle-là. Oh, bel objet. Obsédé par la mission qui l'attendait, Kratos luttait pour se souvenir des semaines bon, bah, tant mieux, à mon son avis. Emprisonnement. Jusqu'au jour où il décida de rompre son pacte avec Arès, le dieu de la guerre. Ouais, c'est ça qui a causé tout le merdier qui a suivi. Et donc là, bien sûr, c'était un... J'allais dire un midquel, c'est pas vraiment ça le terme. Enfin, c'est... Voilà, ce qu'on a vu, ça se passait au milieu du jeu, quoi. Là, on revient vraiment bien avant. Ton âme est tourmentée. Mais ton talent reste quand même sans égal. Tu as quelque chose à me dire? En effet. Mais je ne veux pas qu'on en discute comme ça. Je ne vois pas d'autre moyen. Tu n'as aucune raison de me croire, Spartiate. Je te demande simplement d'essayer. Tu es en train de perdre la tête, mais je peux t'aider. Il me semble que ceci t'appartient. Sers-toi de ces objets pour apaiser ton esprit, Kratos. Ne laisse pas l'illusion t'égarer. Les visions ont-elles cessé? Je ne vois que toi. Bien. Ça te sera utile pour le chemin qui t'attend. De quel chemin parles-tu? Le chemin de la liberté, Kratos. Liberté? Oui. Écoute, tu devras te libérer des Erinis qui te pourchassent sans répit au nom d'Arès. Et pour en finir, tu devras te libérer du joug qui te lie au dieu de la guerre en personne. Rompre un pacte avec un dieu? Je perds peut-être la tête, mais j'ai l'impression... que tu ne vas pas beaucoup mieux. Les visions encore, hein. Entre lucidité et illusion en permanence, tu trouves ça normal pour un grand guerrier? Les Erinis sont proches. Elles ne doivent pas savoir que je t'ai parlé. Je vais les éloigner. La vérité t'attend à Delphes, Kratos. Pars chercher l'oracle. Ouais, ça va être notre grand objectif à partir de maintenant.
Donc, bah voilà, hein, comme je vous l'avais dit, hein, les Erenni, elles vont nous casser les burnes, hein, tout le jeu. Donc, ça promet de grandes séquences, évidemment. Bon, déjà, l'intro, c'était pas mal, hein, mine de rien. C'était, ma foi, une intro riche en peu d'action et qui fut bien sympatoche. Mais voilà, voilà. Bon, évidemment, le reste, on comprendra un petit peu plus tard au fur et à mesure. Hein. Faut savoir que là, la femme que Kratos voyait dans ses visions, c'était sa femme. On comprendra plus tard tout ça. Et d'ailleurs, la personne avec qui parlait Kratos, c'était, il s'appelle Orcus, si je dis pas de conneries. Et c'est donc le fils de Arès, donc le dieu de la guerre, avec qui on va devoir rompre notre pacte, et de l'une des Erenni. Voilà. Donc bon, bah lui, heureusement, est de notre côté. C'est quand même bien. Et c'est vrai qu'effectivement, ça restera un mystère la manière dont il attache ses lames sur le dos, mais bon. C'est un peu comme Lara Croft avec son 5 infini, à contenance infinie dans les premiers Tomb Raider, hein. Tu sais pas comment elle fait, mais... Bref, faut pas se poser de questions. En tout cas, c'est après cette grosse intro qu'on va donc arrêter cette première VOD pardon, pour vous YouTube, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, comme d'hab, hein, si vous voulez ne pas manquer les prochains streams, bien sûr, vous avez le lien de la chaîne Twitch en description, hein, voilà. Hein. Ça ne change pas, donc n'hésitez pas à follow, ça fait toujours plaisir. Et puis, bah, quant à nous, on se retrouve bien sûr et bah, dans pas très longtemps pour la suite de God of War Ascension. Allez, ciao !